Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, regardez comment c'est magnifique pour ce début du 20e épisode de notre aventure sur Far Cry 3. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet après ce dernier épisode où je me suis un petit peu énervé forcément, hein, ça faisait longtemps. Alors j'ai fait une pause entre ces deux tournages, donc là je suis aux aguets, à l'affût de faire de la merde encore une fois, très belle cascade en tout cas. Rendez-vous au QG de Hoyt, on est parti, on va y aller en bateau parce que c'est trop la classe. Voilà, j'avais envie d'y aller comme ça. J'ai pu faire le test, évidemment. C'est bon, hein. Personne ne m'attaque. Malgré tout ce qu'on a fait, personne ne me reconnaît encore. Donc, je suis encore safe. On passe par ici. Regardez comme c'est beau, les marécages. J'adore les marécages. Bon, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles. Qui me fait extrêmement plaisir. Et hop, là, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Voilà. Parfait. Ah, mais on peut pas passer, là. Il y a une cascade. C'est beau, en tout cas. Mais je pensais qu'on aurait pu. Je suis déçu. Ah, je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Bon, dans tous les cas, on est arrivé, hein. C'est juste ici, hein. Bah, il y a un jet ski. Voilà, c'est parfait. Parce qu'on n'est pas encore arrivé, en fait. Hop, le jet ski. On a beaucoup d'argent, donc on aime bien changer un peu. Voilà, on est un peu luxueux. On aime bien changer de moyen de locomotion tous les 10 mètres. Mais attendez, mais j'y suis là. C'est absolument là. Ouais, bah voilà, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Bonjour les chèvres. Bonjour à vous. Oh, un bateau. Allez, on va ici. Hop. Et maintenant, on passe à une moto. Jason, comment se passe la mission contre Hoyt? Je suis plus fort que jamais. Dites à Citra que Hoyt mourra bientôt. Oh, sois tranquille. Je demeure chaque instant à ses côtés. Mais c'est trop stylé. Mais c'est trop stylé, c'est l'endroit où j'avais dit... On était passé là une fois et on était en mode... on va pas le faire et tout. Bah j'avais bien raison parce qu'on peut pas le faire. On pouvait pas le faire puisque c'est une mission. D'accord. Par contre, parler à Hoyt, mais il faut que je rentre dedans. Comment ça se passe? Non, il est à l'extérieur. Ah oui, il est à l'extérieur, ah oui, d'accord. Eh ben, let's go, parfait, magnifique. Maintenant, il va falloir être très habile. Tu n'as droit qu'à un seul essai. Allez, viens. Merci pour le coup de pression. Voici Foster. Ah, merci Sam. Tu peux aller prendre ta pause. Toi, assis. Où est la liste des traîtres avec leurs photos? Tenez. Bien joué, fiston. Tiens, je te propose de fêter ça avec un koiba. Ça fait très fort, je dois dire. Je ne fume pas. Quoi, t'as la trouille d'attraper le cancer? C'est des conneries. Je t'assure que c'est pas ça qui te tuera. Alors, je vois que tu voudrais faire partie de mes hommes de confiance. Ma force, c'est de connaître l'âme humaine. Et toi, tu es folage. Tu vas de job en job sans jamais t'impliquer. J'ai pas encore trouvé le bon. Hein? Ouais. Tu sais quel est le secret du bonheur des employés? La peur. Moi, mes passe-temps, cuisine, peinture, cinéma, cristal meth. Et toi, les tiens? J'aime bien chasser. Moi aussi, j'aime la chasse. C'est la plus noble des passions. Bien sûr, je chasse du vrai gibier. Tu sais que les esclaves se vendent et s'achètent au marché de Rio, de Hong Kong, de New York? On est une multinationale. La globalisation, c'est l'avenir. Le seul horizon indépassable. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, les Américains, par exemple. Ils inscrivent 1, 2, 3 sur une lentille de contact. Donc comme ça, quand je la mets dans mon œil, je sais toujours si elle est à l'endroit. Alors, pourquoi 1, 2, 3 et pas ABC? Pour pouvoir l'exporter aux quatre coins du globe, y compris ici. Et devine ce qui se passe quand je porte cette lentille. Vous ne voyez pas le 1, 2, 3? Ça me trouve le cul et c'est peu dire. C'est de progrès qu'il s'agit. De civilisation.
mais il y a des gens pour qui tout ça n'a aucun sens. Vois le bateau qui est là? Je l'ai pris en otage avec son équipage pour la rançon. Mais son armateur refuse de négocier hors des eaux territoriales. Bah! Je préfère les enregistrements européens. Les Américains ont toujours des sections de cuivre bien trop pompeuses à mon goût. Voilà la recette du succès, monstre, clair et net. Je vends des esclaves d'absolument toutes les origines possibles. Ce qui fait que, comme les lentilles de contact, ma marchandise est universelle. Bon. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai un prisonnier au sous-sol. Je veux que tu lui fasses cracher qui il est et qui peut payer pour lui. Donc, tu vas le tabasser jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il y aura Sam pour t'aider. Très bien. Je vais me régaler avec la surveillance vidéo. Il est si rare que je puisse voir d'autres professionnels à l'œuvre. Allez. Hé. Hey. Mec, la situation est tellement cocasse. Oh là là, j'arrive pas à y croire tout ce qui se passe. Donc, tout se passe bien. Formidable. Ne pas oublier que maintenant je m'appelle Foster. Pour tout le monde, hein. Personne ne m'a cramé. Tu veux ma photo ? Ouais, pourquoi pas. Personne ne m'a cramé. Je suis en train de faire copain-copain avec le fils de pute que je veux plomber et qui fait que je terminerai le jeu une fois que je l'aurai plombé. Alors que là, je pourrais juste le plomber et c'est terminé. Pourquoi je le bute pas ? Et si je meurs, tant pis, tu vois ? Tout ce qu'on veut, c'est juste le buter. Voilà. Et là, je vais aller maltraiter un gars qui, le pauvre... Oh non, on est vraiment en train de devenir la pourriture qu'on voulait pas devenir être. On est vraiment en train de devenir... Oh là là. Oh là. Toi, t'as les yeux revolver. Hein. Toi, t'as le regard qui tue. Hein. T'es avec Sam ? C'est pas un marrant, cet enfoiré. T'es en rigolo, le nouveau ? D'ailleurs... Je suis le roi du monde ! Oh putain. Mec, pas ma remise de brevet le mois prochain. Et tu connais ton frère. Mec, c'est nous. Truc dans son coin. Pas vrai. C'est nous, frérot. Mais attends, mais il va reconnaître ma tête. Gars, je croyais que Doug avait dit que l'île était déserte. Il va reconnaître ma tête, le Boug. Ah, au moins on voit ce qui s'est passé. Ok, ouais, on s'est fait enlever, quoi. Ouais. On a compris de toute façon ce qui nous est arrivé au bout du 20ème épisode. Hein, y a pas de soucis, mais il va reconnaître ma tête. Regarde, frérot, c'est moi. Ici. Ça va finir comment? Si tu le fais, Ruth te fera confiance. Crois à tes mensonges. Et n'oublie pas, tu passes à la télé. Alors souris un peu. Voilà le prisonnier à interroger. Il manquerait plus que ce soit quelqu'un qu'on connaisse. Oh merde! Riley! T'es qui? C'est quoi ton nom? Quoi? Ton nom! Ah Riley Brody! Oh putain! Ah, mein Gott! Qui t'a amené sur cette île? Mon frère. Où est Jason maintenant? J'en sais rien. Et est-ce qu'il te croit mort? Pour qui tu travailles? C'est moi qui pose les questions! Où sont les personnes qu'il a libérées? Merde, j'en sais rien, je veux juste sortir d'ici. La caméra, elle va rester coincée en boucle pendant 38 secondes. Riley! Merde, Jason? T'es vivant. C'est quoi ce bordel? T'es avec eux? Non, je vais te sortir d'ici. Ouais, ok. Et où est Grant? Pas ici, mais je suis là, moi. 26 secondes! Bon, on dégage, tout de suite! Nine! Si tu fais ça, autant le descendre toi-même. Il faut saboter le réseau et tuer Hoyt. Toi et moi, on occupe les gardes et Riley fout le camp. Nine, il sortira jamais vivant du building. Écoute-le, s'il te plaît, je m'en sortirai jamais. 9 secondes, tu dois lui faire mal ou Hoyt saura. Quoi? 5 secondes. Écoute, fais-le. Ok, ça va aller, mais bon sang, promets-moi de revenir pour moi, ok? Eh, Sam, c'est vraiment le frérot, hein. Sam, c'est vraiment le frérot, hein. Je suis désolé, hein. Oh putain, au moins il le sait, hein. Au moins il le sait. Oh, c'est incroyable, hein. Oh putain, frérot.
Il faut juste pas que je le fume, quoi. C'est horrible. Vas-y, stop, arrête, arrête. Ah non, on a pas le choix. Oh. Je ferme les yeux, hein. Franchement, je ferme les yeux, les gars, j'ai la larme à l'œil, je vous jure. Heureusement, je suis pas en facecam. Vous me croirez pas. Qu'est-ce que je suis devenu? Ah oui. Ça suffit, laisse-le. T'es le meilleur joueur de poker que j'ai jamais rencontré. J'ai besoin d'un verre. Je l'adore, lui. Putain, c'est notre gars sûr. Hein. Hey, tu as eu son nom qui est terrible. Ouais, tu m'as l'air doué dans ce genre de travail. Toi, je sens que t'as du potentiel. Écoute, je veux que tu viennes jouer au poker avec moi. Sam, toi aussi t'es invité. On causera business. Quand vous voulez. Je suis à votre disposition. Bon. Magnifique. C'est le bon vieux Sam qui te donnera la date. Soirée poker. Je veux qu'il crève. J'ai pensé à un plan. D'abord, on sabote le réseau de communication de Hoyt. Ensuite, on dynamite le dépôt de carburant. Le chaos que ça va semer nous donnera le temps de le descendre pendant la partie et de sauver Riley. Das ist gut, ja. Ja, alles klar. Parfait. Alles klar. Rejoins-moi au dépôt quand t'auras mis les communications hors service. Enfin, Hoyt et ses hommes seront sourds et muets. Let's go! Let's go! C'est trop le gars sûr, je l'adore lui, putain, je l'adore! On peut faire confiance aux Allemands! Everything's alright, everything just fine, things gonna be alright! Il y a une morale à tout, si seulement on pouvait la trouver. Magnifique! Magnifique! Ok, je suis excité les gars, parce que là, ce qui se passe, c'est incroyable! C'est la fin là, c'est la fin. Je le sens, mais je me souviens plus de tout ça. En fait les gars, je vais être très honnête avec vous. Je crois que j'ai jamais fini Far Cry 3 et j'ai toujours cru que je l'avais fini. C'est pas une blague. Rendez-vous au centre de communication. Je pourrais pas désactiver l'alarme discrètement? Eh, j'ai envie de tenter un truc, mais je vais tout faire foirer, non? Ouais, si je désactive l'alarme, je suis cramé en vrai. Eh, j'essaye ou pas? On a qu'une vie, hein. Oh, je suis un crack. Je suis un crack. Ah mais il faut que j'aille loin. Ah oui d'accord. Ah oh, oui d'accord. Bon attendez, on va se TP, ce sera quand même plus simple. Eh. Là c'était le. Bon, ce sera jamais sauvegardé malheureusement. Mais c'était un coup de génie ça. En vrai, si tu peux désactiver l'alarme en faisant discret comme ça. Que du bonheur. Hein. Que du bonheur. Attendez, j'ai plus de munitions là. Comment ça se fait? Ah oui, bah oui. Bah attendez. Eh, hop, on remplit l'inventaire. C'est cadeau. Et attendez, parce qu'on rigole, mais. Il me faut une... Je vais me reprendre une mitraillette... Je vais me reprendre la MP5, les gars, à la place de l'arc. Parce qu'on a bien compris dans le dernier épisode que l'arc, c'est fun, ok, mais en fait, on... Quand on est dans la galère, bah on est dans la galère, quoi. C'est pas l'arc qui va nous sauver, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, comme ça, on est bon. J'ai une seringue sur moi. Regardez. Ça va être beaucoup mieux maintenant. Voilà, on en a trois. Comme ça, si jamais on se met pas mal. Faut pas oublier que j'ai un wingsuit. Aïe! Faut pas que j'oublie que j'ai un wingsuit. Autant en profiter. Let's go! Ouais! Voilà! Fini le téléphone pour Hoyt. J'ai pas compris ce que tu voulais dire par là. Salut Sam. Pour neutraliser toute communication entre les mercenaires, tu dois détruire l'antenne satellite. Passe par le bunker souterrain où se trouvent les poutrelles de soutien. Laisse tomber les lance-roquettes. Cette antenne-là, elle est vraiment solide. Le seul moyen, c'est faire péter les poutrelles avec le C4. Et garde du C4 pour la porte en métal qui ferme l'entrée du bunker. Ya? Ok, d'accord. La zone doit être restreinte. Pas censé être là, donc cet uniforme ne m'aidera pas. Merci pour la précision. Allez, c'est parti, on va se faire plaisir. Est-ce que je peux monter éventuellement? Let's go! Donc, fini téléphone, on va couper leur communication, voilà. C'est le plan. Alors, messieurs, dames, bonjour.
Alors, il y a une alarme là-bas. Oula, salut. Ah, mais il y a une alarme juste en dessous, là. Oh. Attendez, il y a moyen de faire une... Ah, le mastodonte là-bas. Oula, ça a déjà failli mal commencer. Oh. Oh. Je trouve des passages secrets, frérot, c'est incroyable. Ah, attendez. Oh. Je découvre des endroits. Oh. Ah. Je peux pas. Si, je suis sûr que je peux contourner, frère. Ça a pas été mis là pour rien. Voilà. Cet endroit n'a pas été fait pour rien. Comment je peux faire? Bon, on va. Eh, franchement, je me prends plus la tête. Hein. Si on foire la mission, on foire la mission. Hein. Bon, là, l'alarme, ça servira à rien. Les portes sont en acier, mais les explosifs devraient en venir à bout. Et si? Je suis trop fort. Ah, mais c'est là que je dois faire péter? Ah oui. Là, je suis dans la merde, là. Faut que j'aille là, frérot. Attends, il me demande un bail un peu compliqué, là. Le centre de communication. Mais j'y vais comment, frérot? J'y vais comment à ton centre de communication? Je crois que j'ai un truc que j'ai pas compris, hein. Il y a un détail que j'ai pas compris, c'est pas possible, hein. Attendez, parce que lui, il va se retourner au moment où je vais me déplacer, donc... La vache. Oh ta gueule. Oh ta gueule. Allez, salut. Il a dit oublie le RPG, je m'en fous. Hop, la double. Pas du tout. Allez, grouille. Voilà. T'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, mon grand. Ce sera rapide et douloureux. Ce sera rapide et douloureux. Oh putain. Oh putain, le snipe il fait trop mal. Aïe, aïe, aïe. Soigne-toi. Voilà. Ah ouais. J'avais pas anticipé les snipers, frérot. Ok, tu vois là. Voilà, il m'a pas vu. Oh. Je suis monstrueux là. Oh. Mais c'est que je suis monstrueux là. En vrai. En vrai, je suis pas mauvais. Let's go. À la one again. Ouais. Ouais. Oh la vache. Refais plus jamais ça, frérot. Oh merde. Bon, je résiste beaucoup plus au feu, ça c'est cool. Et tu vois là, j'ai plus de munitions dans mon arme. Donc heureusement que j'ai pas gardé l'arc. Comme ça je vais pouvoir changer d'arme sans problème. Oh, encore mieux. Là, moi, je suis sûr d'avoir des mines. Ça fait mal, hein. Et il est bête. Tu es bête ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer, regardez. Oh, les mastos, c'est trop, putain. Non, en vrai, les mastos, c'est trop, là. Attendez, regardez. Voilà, mon grand. Voilà, j'ai plus d'RPG, par contre. Hein. Oh, je les ai tous fumés. J'ai plus d'RPG, donc là, il y a intérêt à ce qu'on se foute pas de ma gueule. Et...
Ok. Bah mec. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, franchement je me prends pas la tête. Mais bon là, faudrait peut-être pas non plus trop se foutre de ma gueule. À quel moment je pouvais anticiper ça? Non, je dois tout recommencer, jure. Alors ça c'est ridicule, hein. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Viens voir. Viens voir. Voilà. Imagine il est pas mort. C'est bon. Ok. Ok. Voilà. Là il faut que... Non c'est une blague. Donne-moi ton arme. Oh putain. Ça y est là je stresse messieurs dames. Voilà. Bon déjà je m'en sors déjà mieux parce que je connais la zone. Ok. Il serait temps de mourir. Il s'agirait de mourir, messieurs dames. Attends, on peut juste pas se refaire avoir. Attendez. C'est ici là, non? C'est là le piège. Voilà. Regarde bien. Voilà. Je parle pas trop les gars, je suis tellement sous pression. Wouh. Chiche. Ah si, je suis là, regarde. Attends, tranquille, j'ai pas envie de recommencer hein. Ok, let's go, checkpoint atteint. Voilà qui me plaît. J'entends des chiens. Ok. La parabole est là-bas. Ce truc est énorme. J'espère que j'ai assez d'explosifs. Il avait pas dit oublie le RPG? Ah. Sale chien va. Oh la vache. Oh chérie, ça va bientôt couper. Ah merde, le snipe. Attends, attends. Non mais frère, 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 frère. Respectez-moi s'il vous plaît. Voilà. Allez. Dame, ça y est, le C4 est placé. Qu'est-ce que t'es? La cavalerie arrive, mon ami. Défends la position, je suis là bientôt, ok? Ça va marcher comme sur des roulettes. Ouais. J'ai peur que ce soit un peu plus dur que prévu hein. Ok. Je peux envoyer de la molotov, attends. On va leur faire un peu peur. Je crois que j'ai encore du RPG si jamais. Ça c'est pas mal. Ça c'est moins bien. Allez soigne. Heureusement que j'ai refait des seringues mais là j'en ai plus hein. Là j'ai plus de soins hein. J'ai plus de soins, plus de mun. Un gilet, parfait. Oh putain la vache. Dernière roquette. Oh la vache. Y'a un hélico, je peux plus rien faire hein. C'est abusé là. J'ai plus rien. Ok, ça fera l'affaire. Oh!
Mais je savais pas que c'était Sam. Mais prévenez, non. Wow. Pas moche. Ok, j'ai encore une arme. Ok. Ça le fait. Attends, je m'occupe du masto. Ah, plus de masto. Et j'ai encore une roquette. Oh là là, ça c'est vraiment pas mal. Des fois, recommencer les missions, c'est que du bénéf, hein. C'est que du bénéf. Ouh là, il y a tout qui prend feu en plus. L'hélicoptère arrive, c'est le frérot. Désolé si vous voyez pas grand chose. C'est vrai qu'il fait relativement sombre. Attendez, je vais descendre. J'ai récupéré ça là. Attends, il va désamorcer. Non, c'est bon. Ok. Let's go. Allez, go. Let's go. On s'arrache. Ok. Ouais, on va se crasher, non? Non, c'est bon, ça va péter. Adieu. Vous êtes débiles. Regardez le spectacle. Hop. Terminé. Je ne peux pas retourner à l'aérodrome avec toi à bord. Bon, ça je connais. Ouais, on va ressauter. On va ressauter, bah oui, on connaît bien. On connaît bien. Bon, bah voilà. Ah bon, il nous a fallu quelques essais. Mais ça s'est quand même relativement bien passé. On va rigoler un peu. Chaud de ouf. Fly, dry. Let's go. Wouhou. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est cool. Dennis, j'ai trouvé mon frère. Il est vivant. Et pour Hoyt. J'ai un plan pour le tuer. Il détient mon frère. Riley a besoin de moi. Jason, tu es un guerrier Rakiat. Oublie ton passé. Tes liens familiaux t'affaiblissent. C'est mon frère. N'oublie pas, nous sommes ta famille maintenant. Il est sérieux lui là? Bien sûr que j'ai sauvé mon frère, il est malade. Et en plus du coup, mais voilà, et j'avais raison du coup. Et j'avais raison. Du coup je suis en train de et j'avais pas capté, mais notre frère est vivant. Enfin le petit en tout cas. J'avais raison. L'autre là, la tarlouse. Non mais c'est, excusez-moi hein, je dis tarlouse mais bon à bon entendeur. Voilà, je dis tarlouse parce que c'est dans le sens flippette, pas dans un autre sens, parce que ça ne se dit pas. Mais bref, la flippette là qui nous dit qu'on a sauvé, qui nous dit que le petit frère il est mort. Tu vois, c'était pas vrai, j'en étais sûr. Voilà. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode, je suis trop content. N'oubliez pas le like parce que là c'est un beau retournement de situation. Et on se quitte et on se retrouve d'ores et déjà rapidement à la station essence, c'est ça, juste ici chez Sam, à côté du camp Delta, ça va être incroyable. Allez, à demain 16h, nouvel épisode. Ciao tout le monde.